d'abord parler de comédien à Aoul Manajib Belharous, où je suis impardonnable. Je vais parler de comédien à Tijid Lehné. قدام 6000 واحد في الفستيفال تاع كارتاج عام 2010 وماني كنتش ايموسيوني قد توا تعرفوش علاش خاطر اول مره نرى صالة ياسر حلوه وفيها اوتون دو جون اي لا ميكسيتي اي لا الوغ كو احنا جينا سي ليكرون اللي ديغيير باش نحكيو على المراه التونسيه La femme tunisienne passionnée. En fait, elle n'a jamais choisi là. Je ne sais pas. معناتها ما نجمو ناخذوا حاجه كما نمشي ناخذوها كلنا هزينا صبعنا وقلنا نحبوا ناخذوه شكون اللي جاي مدام هي اللي دون لاكسيون فما ان اكريفان تري كونو اسمه جون كام كامت هذايا كتب كتاب سماه بويون دو بولي بور لارما سيتادير il a créé une formule اسمها R événement réaction, effet. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis un événement. Bah, non, réaction, pas les serrines, l'effet suite à la réaction qu'on a faite. Quel est notre minor bacha? L'événement, il est bataillé. Réaction théorie, comme un nec bacha qui dit, l'effet, il est bataillé après. Le scénario clinique, événement Smith Bacha, Nakaz Choye Filmmaker, Nakaz Filmmaker, Pizza, l'effet, ou les derniers time en temps. Donc, la chienne, la vie est la vie. Ah, la chienne, la chienne, on agit. C'est nous. Ma femme m'a fait ta perdante, cette dernière vie. Tout simplement, je suis à la rue, mais je l'ai dit comme ta jarabti. En fait, احنا ما نجمو ننجحو كان يكون عندنا ان ليدر ان ايدول ان اكزامبل سبيري كود يكون عندنا بونا سيدنا جارنا عزيزنا بو امبور كان جيو ان ايدول سيتي مون بير اي بوكو والله عرفت اي بوكو دو جون بارل de leur idole qui est leur père et c'est très bien seulement l'idole est déjà quel omni omni qu'est-ce que ça veut dire omni ça veut dire la yekte ou la yakra et ce monsieur il a fait des tonnes de choses dans sa vie ça a été un grand monsieur et ça a été mon idole donc mais les israéliens les amis une photo les amis une photo le tâche général elle a esmi hedia hedia tout simplement pour réaliser moi-même et copier ce monsieur et le dépasser. Et c'est très dur d'avoir un grand, grand, grand monsieur dans sa famille, que ce soit un père, une mère ou quelqu'un dans ce genre-là. Donc j'ai débuté ma carrière, j'ai fait des études éducatrices spécialisées à Tunis. Voilà, une éducatrice spécialisée avec un diplôme. Et je vais ouvrir un jardin d'enfants. J'étais toute fière, toute contente, j'avais à peine 20 ans. D'accord? Donc 18-20 ans, j'ai fait 2 ans. Et donc, on m'a dit, mais attends, toi, t'as pas de diplôme, mais t'es pas de, ton diplôme n'est pas tunisien, tu vaux rien. Bien sûr, j'ai ouvert mon jardin d'enfants. Et personne m'a dit qu'il fallait simplement aller et demander une équivalence de ce diplôme.
C'était mon ignorance. Bref, j'ai travaillé très dur grâce à ceux qui m'ont jalousé. J'ai travaillé très 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 dur et j'ai réussi. Et je tiens une institution qui réussit très très bien depuis des années. Un jour, j'ai dit, attends, en 87 ou 86, il y a eu les droits de l'enfant. Je me suis dit, mais attends, moi, les droits de l'enfant, ça m'intéresse. Je vais faire des études en droit ou des études en lettres et me réinscrire à la faculté. Ah, le lien, attends, ton bac n'est pas valable, il faut un bac tunisien. Eh bien, j'ai été repasser mon bac et j'ai réussi. Et je parlais avec la dame qui était là tout à l'heure et je prenais des cours la nuit, hein. Je travaillais le jour et je prenais des cours de maths, de physique, de tout. Le soir, 3h du matin, 4h du matin, de langue, d'anglais, d'italien, etc. Et j'ai réussi. À la fin de ma noble, on m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Maintenant, t'as ton boulot. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'ai réussi. Merci à ceux qui m'ont dit, ben, pourquoi, qu'est-ce que tu fais là? Un jour, je me suis intéressée à la peinture. Et je me suis permise d'acheter des toiles et de la peinture. Et j'ai fait plein de tableaux. J'ai été les exposer à Carthage, à l'espace urbanisme. Il y a une bonne dame qui est venue et m'a dit « Attends, est-ce que vous avez fait les beaux-arts ?» Je lui ai dit « Non, pas du tout, je n'ai pas fait les beaux-arts. Ça me plaît d'avoir un pinceau et de peindre. » Eh bien, la surprise, c'est que cette dame m'a fait beaucoup de peine, mais elle m'a donné beaucoup de chance. J'ai dit « Attends, moi j'irai peindre, j'irai exposer à l'étranger. » Et j'ai été. Et je vous assure, c'est très facile. C'est pas, vous allez dire, elle raconte des histoires. Tout simplement, quand on croit en la chose, un aimant en nous, qui m'arnatisse. Les gens qui réussissent sont ceux qui sont sensibles. Si madame qui est en face de moi, elle est professeure d'anglais, et moi j'ai un vœu d'être professeure d'anglais, eh ben, il y a une communication interne et dans le subconscient qui se passe entre nous, et je serai professeure d'anglais. Et peut-être que je la dépasserai. En fait, on est comme ça, on est fait comme ça. Dans notre subconscient, vas-y. Et ce sont les gens qui vous entourent, qui vous freinent. Et bien moi, ce frein, je ne l'ai pas vu. J'ai exposé en Allemagne et j'ai vendu des tableaux. Et je suis très fière parce qu'il y a un tableau à l'ambassade de Berlin qui représente la part tunisienne. C'est trop. Mais c'est un cadeau pour vous, là. Parce que je parle de la femme passionnée. Je n'ai réussi que grâce à ma passion. Un jour, pas très longtemps, bref, j'ai écrit des livres. J'ai rêvé de créer une comédie musicale qui s'appelle Blanche-Neige sur les dunes de Nafta. Chha, tarfou une école, tarfou Blanche-Neige, arrestez-le ma brave. Holt, le nord et le sud se réunissent. Plus de racisme, plus d'intolérance. Et le texte, je l'ai écrit, j'ai réalisé la mise en scène, j'ai fait la chorégraphie, j'ai créé les chansons, les textes des chansons, et même la mélodie de chaque chanson que j'ai soumis à des musiciens qui l'ont mis sous note et ils en ont fait des chansons. Ça s'est passé exactement en janvier, le 8 janvier 2011, à 4 jours, ou les 5 jours de Balathawa. J'ai fait guichet fermé du théâtre municipal. Guichet fermé. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Mais attends, pour qui elle se prend? Elle n'est pas metteur en scène. Elle n'est pas artiste, elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas chorégraphe. Et ma pièce a réussi grâce à ma volonté et à ma passion. Et même sur Facebook, fameux Facebook, on a écrit, c'est la société de prod qui a écrit, tapez tout à l'heure quand vous rentrez chez vous, et d'écrire, et vous verrez tout ce que je vous ai dit, vous le découvrirez vous-même. Et j'ai fait ça tout. Un jour, je suis passée à la radio pour parler de ma comédie, la personne qui m'interviewait a dit, je vais aller en médium, trop chez les thermales, trop chez les thermales de scénographie, ou à mettre le tête, alors c'est pas d'aller en bête. Et moi, j'étais fière, mais je n'étais jamais satisfaite. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des gens qui vous tuent et qui vous disent « Attends, t'as pas fait l'école d'art dramatique, toi? Mais pour qui tu te prends? T'as pas fait une école de danse, mais pour qui tu te prends ?» Eh bien oui, j'ai créé la chorégraphie, je suis montée sur scène, j'ai loué des salles et j'ai réalisé. Et arrivé Thaoura, j'ai le Thaoura, en 2011. Donc, la même année, en 2011, le 8 mars, je crois, il n'y avait personne dans les rues qui tournait. C'est ce que l'on avait dit à Haïfi. Haïfi, je suis à Toulouse. Et moi, j'ai dit, non,
Je dois refaire ma pièce en plein avenue de Bourguiba. Je l'ai refaite et j'ai ramené les gosses regarder. Et ça aussi, ça a été un défi. Et il y avait certains barbus, on les appelle comme ça, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, s'habille comme il veut, se coiffe comme il veut, sur le théâtre. Et les parents avaient peur, ils me disaient avant le spectacle, « Attends, madame Hilly, comment on fait ?» J'ai dit « Non, je vais leur parler, je vais leur parler. Écoutez, c'est quand vous terminez votre speech ?» كان انا رايت اقرا بشي حاكم ورئيس السابق قلت له ما قدرتش تكملوا خاطر انا رايت التمثيليه بتاعي تبدا مع السته قالوا لي راه قلت لهم اوكي سي بون اي انا في نوتر فوا تياتر ارشي بلان بور دير كو ريان نارات اون فام باسيون ان جون هوم قبيلي قال الى بوزي لا كيستيون جو كون كي بورتي ليشارب كي تي اسي تكوتي الى دي ا لا دام كي جو با لا ميمور دي نو كي بورتي اون روب روج مي دي مي اتان سي كومون كيل اي فوتر استوس كومون نو دوني ان كونساي pour réussir un entretien. Si moi, je veux aller demander un emploi, présenter un projet, comment je réussis? Comment je réussis? Je vais vous dire une chose, je vais vous donner plein d'astuces. Hein. C'est un cadeau que je fais ce soir, parce que j'ai 56 ans, d'accord? Je suis en fin de carrière. Inch'Allah, avec beaucoup d'autres, pardon? Avec d'autres projets, bien sûr. Avant de venir ce soir, j'ai passé des heures et des heures et des minutes. Qu'est-ce que je vais porter? Qui sont ces gens? Comment je dois les séduire? La réponse au monsieur. Comment je dois les séduire? Comment je dois m'habiller? Attends, je viens en jean? Non, c'est pas possible. Je viens en robe? Non, c'est pas encore possible. Je m'habille comme je veux? Oui, je m'habille comme je veux. Et je me suis habillée comme je voulais. Pour dire que c'est très important. Ce côté-là est très important. Si vous arrivez dans un espace, vous demandez, vous avez plein de diplômes, mais des tonnes de diplômes. Vous en avez des tonnes, on vous a donné plein de diplômes. Plein de diplômes. Une autre personne a dit, on est de la génération de la technologie. Certes, oui. Plus de 50% de la population tunisienne sont des femmes. Plus de 40%. C'est en moins de 20 ans. Donc, juste 3 millions de personnes ne voteront pas parce qu'ils ont moins de 20 ans. Donc, il reste nous, femmes, jeunes. On doit en profiter. Certaines personnes ont dit Mahlaya Tunis, Alhaq. Et je suis allée à Tunis. و نجم نكون نجي اليوم اما حبيت نجي لهنا خاطر ربي يديك لو برشا ولازمني نخدمها مانيش خدمه في بوليتيك جو سوي ا بوليتيك جو سوي بريزيدون دون اسوسياسيون كي سابيل ساوتونا Pourquoi j'ai créé cette association Sautona Ba'd Thawra? Parce que je me suis aperçue que finalement, le programme, le problème interne, est un problème mahouchi politique, mahouchi économique. Le problème interne est tarbiya ou akhlaq. بعد الثورة وقت اللي تخبيهم وليسي الكل وتخبيهم اللي كانوا يفزي دولوتر هذوكم الكلهم تخبيهم خرجنا احنا واللي يحب يعمل حاجة يعمل واللي يحب يمسخ واللي يحب يعيط يعيط ودمنا هكذا سنوات وسنوات دونك انا قلت تيا علاش انت الهدف نتاع الجمعيه نتاعك صوتنا ما يكونش التربيه والاخلاق ونحضروا جيل 2030 لو جيل نتاعكم دونك انا رياليست سا فو دير قاعده نخدم الجيل 2030 مش من بعد ما يجيوش يحاسبوني ويقولوا لي او 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 انت توا عمرك 8 سنين كيسكو تو في بور نو Moi, je leur dis, voilà ce que je fais, que j'aimerais être sortonnée. Qu'adine n'aadeu, fait les adhfait, fait le mahal, fait les facultés. On a le muhadarat, muhadarat interne, tu appelles le théâtre, avec l'égide, je veux dire, n'aadeu le micro, l'aulié, l'adhfait, l'asséda, ou on anime uniquement. En fait, on crée un espace de parole, un espace de communication, de tal ou tal, farabana. Khatahel n'afouche pas. Tout m'a fini, je suis un comme je Il reste une minute. Alors, il reste une minute. Qu'est-ce que je peux dire en une minute? Ce que je vais dire en une minute, c'est que je veux vous remercier beaucoup de m'avoir offert cet espace. Je suis très heureuse d'avoir été parmi vous ce soir. Je suis à votre disposition, fi Afka. Je peux coacher gratuitement. Je vous assure, je suis comme ça. Hiri, Hedia, le chiffre 2, @gmail.com. Hiri,
هادية بالشيفر 2@gmail.com. سي واحد منكم في الشوماج ولا واحد يحب نعطيه اليد المساعدة gratuitement pour le coacher, pour qu'il réussisse dans sa démarche avec son prof, avec son directeur, pour trouver un job, je suis là. C'est bon les 10 minutes, monsieur ? Merci.